Sur TSO Radio, la suite de l'émission. Je crois qu'il y a du fou rire dans le staff. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais rigoler avec vous. La première phrase. De l'horoscu, qu'est-ce qu'elle a? Pour les béliers en plus. Bon, alors attendez, on va recadrer les choses. On va passer à l'horoscu. Donc l'horoscu, vous l'avez compris, c'est l'horoscope du cul. Serge et bélier. Ouais, et apparemment, ça commence par les béliers. Ça va bien lui plaire. Et on le savait aussi, pas. Hein. D'ailleurs, ça va me plaire. T'es bélier aussi, ouais. Non, mais je tiens à préciser qu'on n'était pas au courant du signe astro de Serge. Hein, on aurait modifié sinon quelque peu. Non, mais pourquoi? Bah là, voilà quoi. Allez, c'est parti. Attends, il va y avoir un petit. Ça te promet encore. Ouais, ça va. Je pense que ça peut être pas mal, hein. Merde. Mais, ouais, mais... C'est qui présente? Moi, je vais le faire parce que là. Allez, c'est parti, voici Hélène. Bélier. Elle démarre même pas. Vous aurez des envies de fellation aujourd'hui pour vous ou votre partenaire célibataire pour prendre votre mal. Je suis désolé, j'ai pas lu les feuilles avant. Moi non plus, hein. Moi non plus. Célibataire pour prendre votre mal en patience, achetez-vous des sucettes. Donc, on restera sur l'envie de fellation. Ok, voilà. Allez. Taureau, votre professionnalisme sexuel sera remarqué aujourd'hui. Merde, j'aurais préféré être taureau. Gémeaux, vous aurez encore des envies sexuelles intenses aujourd'hui. Attention à ne pas passer pour de vrais obsédés sexuels. Pourtant, j'essaie vraiment de me canaliser. Cancer, un chaud et excité au maximum aujourd'hui. Vous verrez des moments très hot, genre. Très bien fait, là. Tellement bien qu'on n'a pas compris, mais... Chaud dire. T'en fous, t'es pas cancer, toi? Non, c'est vrai. T'es Gémeaux. Hélène, de la marque Acapulco, hein, c'est une marque de ballon d'eau chaude à bricot de dépôt. Lion. Ah bon? Vous ne serez pas au top de vos performances aujourd'hui. Un petit coup de mou. Un petit porno. L'intonation. Un petit coup de mou. Mais comment tu veux que j'arrive? Ah ben je ne sais pas, moi. Un petit porno pour se remettre dans l'ambiance et c'est reparti. Oui. Allez. Seb, une idée? Blanche passe les 7 mains, la vérité Vierge. Se prend. Bon. Cette journée sera placée sous le signe de la douceur et de la sensualité. Vos rapports sexuels se feront avec tendresse et amour. C'est la crème de la chance. Balance. C'est là, rapport, j'aime cette spontanéité. Balance. Vos prouesses sexuelles seront amplement remarquées par votre partenaire. Votre performance sera au top. Balance. Scorpion. Votre horoscope du jour, sexe et encore du sexe. T'es scorpion, toi, t'es sûr? Y'a des scorpions? Bah oui, apparemment. Allez donc, y'a un problème alors. On change de signe. C'est ça qui sort sur chaise. Ouais, c'est ça, il est sur chaise, il n'y arrive plus. Hélène, il faut que t'attendes d'être bien mercredi pour... Ouais, mercredi, ouais. Donc c'est la pété à la Monique tous les mercredis, en fait, on est d'accord. Ah, ok. Ça fait longtemps qu'on l'a porté. Les Sagittaires, vous avez des envies d'essayer de nouvelles choses? Changer d'endroit, essayer de nouvelles positions, votre partenaire n'en sera que satisfait. Ah, il me manque la suite, elle est là. Ah, la Capricorne, vous êtes une bête au lit. Vous épuiserez votre partenaire par votre endurance. Verseau. Ouais. C'est qui Capricorne? Ah, c'est Nivelle. Ah, putain, merde. Dis, c'est toi, ça. À ce soir. Verseau, votre côté bestial et agressif se feront ressentir pendant vos actes sexuels. La tendresse ne sera pas au rendez-vous. Attention de ne pas subir les foudres par la suite de votre partenaire. On est comment niveau méthode syllabique? Je suis un peu dyslexique. Je suis dyslexique, monsieur. Ah pardon, excusez-moi. Oh, bah, excusez-moi. On va faire les maladies en poisson. Et en hit après. Poisson. Excitation au rendez-vous. Ce n'est pas le cas des Gémeaux, apparemment. Et allez, prends ta gueule. Hashtag Excel. Moments chauds et variés sont au programme. Ni des scorpions, apparemment, du coup. Vous enchaînerez les positions avant de rejoindre l'extase totale. Eh ben, bravo. Non, on n'est pas sur ça, les gars. Merci pour cet horoscope. Est-ce que cet horoscope a été rédigé par une équipe de médiums, de voyants? Non, il y a vraiment des choses. Par moi-même. On a regardé les appels. On a regardé dans notre gros
Attends, Seb, c'est quoi ton signe? Scorpion. Scorpion. Donc quand tu... Je savais pas qu'il était scorpion. Quand on est au scorpion, en fait, tu fais tes demandes. Alors non, j'aimerais qu'aujourd'hui tu aimes un peu du sexe. Du sexe, encore du sexe. Pour info, je ne savais pas qu'il était scorpion. C'est vrai? Ah, tu ne te renseignes pas sur le... Je l'ai su hier soir, quand j'avais tout rédigé, et il m'a dit que je suis scorpion. Ah super, quand il a tout déballé, tiens regarde. Ouais parce que on en parlera la semaine prochaine. Mais les scorpions sont très qualifiés apparemment. C'est vrai? Eh bah oui bah écoute Moi j'ai l'impression que ça dépend pour qui. Ça se trouve pas dans la vraie vie. Ça dépend pour lesquels. Je trouve que voilà, tous les signes ont leur lot de merde. De qualification. Il y a l'exception qui confirme la règle. Tout à fait Thierry. Voilà, tout à fait. TSO Radio, la radio de l'attirage Sambre-Loise et au-delà.